Hey, salut à tous, c'est Ricola et Neil Chaos pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de Outvert, qui est un jeu sorti sur iPhone le 27 février 2014. Et déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que apparemment, c'est une sorte de FTL-like, disons-le clairement. Donc en modèle, on va dire compact, puisqu'il est donc disponible sur iPhone et Android. Et franchement, moi, c'est un petit jeu que j'ai bien apprécié. Bonjour, en fait, au passage, vu Oui. que j'ai pas dit, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est proche de FTL, ça? Ouais, tout à fait. C'est vraiment, comme je te dis, un FTL-like. Vraiment. Alors, il y a une différence, si tu veux, c'est que là, en fait, tu vas pas gérer un équipage, ni réellement chaque endroit de ton vaisseau, chaque pièce. Là, par contre, ça va être vraiment gérer plus ton oxygène, ton carburant, et si je me rappelle bien, j'oublie quelque chose encore. J'oublie quelque chose, c'est génial. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le carburant, l'oxygène, et. Ah mon Dieu, bon, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Ah oui, et la coque de ton vaisseau. Donc c'est pour ça que D'accord. je dis que c'est plus compact qu'un FTL en fait, puisque tu n'as vraiment que ces trois choses-là à gérer. Mais ça fait déjà beaucoup. Voilà. Mais le game, enfin le gameplay, pas le gameplay, mais donc théorie, enfin sur le plan théorique, ça serait moins profond que FTL, quoi. Plus profond, oui. C'est largement plus profond que FTL. Parce que FTL, si je me rappelle bien, en fait, il faut que tu échappes à une force armée. Oui, Donc, c'est ça en fait qui te cavale après c'est tour ça. après tour, Tout quoi. à fait. Donc, en fait, tu es obligé d'avancer. C'est ce qui te pousse à avancer, en fait. Alors que là, c'est vraiment pas pareil dans Outvert. Tu as un personnage qui se retrouve donc cryogénisé dans son vaisseau et qui se retrouve complètement déporté à des années-lumière de la Terre, quoi. Donc du coup, toi, tu te retrouves dans cet univers vaste de la galaxie et donc tu peux très bien avancer, reculer, visiter les planètes, aller forer justement le sol de certaines planètes pour récupérer du minerai pour réparer ta coque. Aller chercher de l'oxygène sur une planète qui est habitable, rencontrer la vie, apprendre de nouveaux mots à force de parler avec les intelligences, leur donner des objets, en récupérer. Pareil, très important, envoyer des sondes aussi sur des planètes pour récupérer du carburant qui va te permettre d'avancer au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment le point le plus important, quoi. Et donc voilà. Et donc si je m'en tiens à ça, qu'est-ce qui fait que le jeu a été notamment pas critiqué, mais disons que de nombreux tests soulèvent le point comme quoi il serait plutôt difficile? Alors en fait, donc je te dis ça correspond justement au fait donc de la gestion de carburant, d'oxygène et de coque du vaisseau. Le truc qu'il y a, c'est que les trajets entre un système solaire et un autre te coûtent, disons-le clairement, la peau du cul. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, ton carburant, normalement, il a 100%. Aller d'une planète à une autre, enfin d'un système solaire à un autre, va te coûter dans un premier temps, je te dis une bêtise, peut-être 12. Et genre après, par la suite, ça va te coûter entre 25 et 30. Donc D'accord. 30 par 30 de carburant, Ouais, ça revient cher. c'est mort, quoi. C'est mort, sachant que tu gaspilles du carburant pour aller d'un système à un autre. Tu gaspilles du carburant pour te rendre sur la planète. Ou du moins dans son orbite. Tu gaspilles du carburant aussi pour atterrir sur la planète. Tu gaspilles du carburant pour sonder la planète et en récupérer du carburant. Tu vois le délire? Je vois, je vois. Donc, Et niveau combat, ça se passe pas? il n'y a aucun combat. Il y a aucun Il n'y a combat. absolument aucun combat dans Outvert, comparé à justement à FTL qui pouvait bourriner là-dessus, où il fallait que tu gères ton armement et tout. Non, non, là c'est vraiment que la gestion de ton vaisseau. Et si tu veux, au fur et à mesure que tu avances, tu vas avoir des événements aléatoires. Par Comme dans exemple, FTL. exactement. Donc des textes aléatoires, des événements. Par exemple, voilà, j'arrive
devant une planète qui est apparemment en train de s'autodétruire, je vois des vaisseaux qui la quittent, qu'est-ce que je fais? Je me pose dessus ou je me pose pas dessus? Et après, voilà, vis-à-vis de ça, soit tu tentes le truc et peut-être que tu auras un bonus, mais bon, peut-être que ton vaisseau il va s'autodétruire aussi, et enfin, tu vas crever comme une merde, quoi. Et donc, puisqu'on en parle justement de ces petits encartés et tout, le scénario, il vaut quoi au final? Le scénario, pour ma part, je le trouve pas complexe, mais il est recherché. Il est recherché, il est assez profond. Peut-être une sorte de réflexion sur l'humain en général, quoi. Sa capacité à se développer, à s'adapter à un environnement qui lui est hostile. Parce que là, en fait, comme je disais, le personnage se retrouve donc dans son vaisseau cryogénisé, déporté à des milliards de kilomètres de chez lui, des années-lumière. Et au final, au plus il va avancer, au plus il va entendre des voix dans sa tête. Et donc justement, il va arriver à trouver d'où proviennent ces voix. Voilà. Donc, est-ce que il a été poussé dans cette direction pour justement l'emmener à un lieu ou autre chose? Moi, j'ai pas terminé le jeu. Enfin, du moins, j'ai pas eu la vraie fin. Je pense. J'ai eu une des fins du jeu, si j'ai bien saisi. D'ailleurs, ça m'a réellement surpris, quoi. Franchement, j'en ai eu pour à peu près facile, hein, une demi-heure, 45 minutes du jeu pour arriver à la première fin. Après plusieurs parties, parce que c'est comme tu disais tout à l'heure, les tests ne disent pas faux. Le jeu est extrêmement difficile, quoi. Mais il a un avantage, c'est que au plus on y joue, au plus on le comprend, on saisit des astuces et on va aller au Oui, but c'est plus une sorte facilement. de die and retry, mais en mode C'est ça. tour par tour, quoi. C'est un peu comme enfin comme FTL, pour toujours en Mais revenir à lui, vu que bon, c'est pas du c'est tour par tour, voilà. parce qu'en fait, tu es vraiment tout seul à jouer, quoi. Oui, là oui, pour le coup, mais pour FTL, oui, c'est vraiment pour le coup du tour par tour. Sauf pendant les combats, enfin Ouais. bref. Mais voilà. Donc on a fait gameplay, histoire. Donc je pense qu'on a fait le tour. Quoi d'autre aussi? Ben, graphiquement, franchement, il a un style, tu sais, quasiment presque comics un peu. Oui, c'est vrai. Dessiné, des gros traits noirs, tu sais. Le peu que j'en ai vu, effectivement. Voilà, franchement, il a quelques animations qui sont sympas. Genre quand tu bascules d'un système solaire à un autre, quand tu passes genre en vitesse lumière, ça c'est pas mal. Quand tu arrives sur une planète, les planètes sont plus ou moins différentes. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis comme je te dis, voilà, les événements aléatoires aussi font que t'as jamais réellement vraiment les mêmes. Donc ça te permet toujours de découvrir de nouvelles choses. Et puis voilà. Dernière Oui. question, sur quelle plateforme tu l'as faite? Sur iPhone ou sur Alors iPad? sur l'iPhone 5C, le jeu il est ultra fluide, il est nickel. Ça voilà, bon, de toute façon il prend pas non plus d'extrêmes ressources. Par contre, ouais, il faudrait vraiment que. Parce que je t'explique, le truc qu'il y a, c'est que quand tu avances dans le jeu, que tu ne gardes pas les objets que tu as et tout, ok, mais que tu puisses garder les vaisseaux que tu as déverrouillés, ça serait très bien. Parce que dans le jeu, tu trouves des vaisseaux à l'abandon, tu peux prendre tout ton matériel et le foutre à l'intérieur de ce vaisseau et l'utiliser par la suite. Mais quand tu perds et que tu recommences une partie, tu recommences avec ton vaisseau de base. Et quelque part, c'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant pour un jeu comme ça, parce qu'il y a des vaisseaux qui ont vraiment la classe, qui pourraient te pousser justement à rejouer et avec une facilité bah, certaine. Et au final, non, tu recommences à chaque fois avec le même vaisseau. Et puis voilà, et le truc qu'il y a, c'est que ton vaisseau ne dispose que de, alors attends, je calcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 13 emplacements. Et Donc, il va falloir faire des choix. il va falloir faire des choix sur ce que tu emportes et sur ce que tu laisses. Sachant que le maximum, par exemple, pour prendre de l'oxygène, c'est 20 d'oxygène. Au bout de 20 oxygènes, si tu en as plus, ça te prend une autre case. Donc, ça, à prendre en compte, plus l'équipement que tu construis dans ton vaisseau. Alors ça aussi, c'est un point important du jeu, heureusement que j'y pense. Tu as de la technologie.
technologies que tu apprends au fur et à mesure de ton aventure, que ça soit par les découvertes de certaines planètes ou justement par les différents extraterrestres que tu rencontres, qui te les apprennent. Ça peut aller de comment ça s'appelle du voyage interstellaire amélioré, donc qui te permet d'utiliser moins de carburant entre chaque système solaire, générateur de bouclier vachement avancé, qui te permet de résister à des météorites plus grosses ou tu sais à des champs d'astéroïdes ou quoi. Il y a vraiment tout cet aspect technologique qu'il faut faire évoluer, qu'il faut construire dans ton vaisseau. Mais voilà, après, comme je te dis, c'est toujours pareil puisque tu dois faire un choix. Mais bon, est-ce que j'ai réellement besoin de cette technologie à ce moment du jeu? Est-ce que je peux la démonter pour obtenir telle réserve, pour Oui, après construire autre chose? ça relève du choix stratégique du joueur, Exactement, quoi. donc c'est vraiment un jeu de gestion pur et dur, quoi. Et voilà, mais c'est vraiment, comme je te dis, un FTL-like, tu en retrouves clairement les codes, la manière dont c'est foutu, mais je me plais à penser et à croire et à voir que c'est plus profond, scénaristiquement, et puis même au niveau du gameplay, je trouve ça quand même plus profond, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je pense. Rien de plus, rien de moins. Et puis voilà, et puis franchement, un jeu comme ça, c'est un plaisir de l'avoir sur iPhone, quoi. C'est, t'as envie de lancer Oui, une partie comme ça dure quoi, 20 minutes à tout casser. et puis le prix ne doit pas être excessif, Si je me donc rappelle bien du prix, il est en dessous de 4 euros, il fait 3 oui, euros dans les voilà, environs, ça va. quoi. Si un jeu est de cette qualité, ça reste acceptable. Voilà, par contre, à la différence, tu as FTL qui vient de sortir et il me semble qu'il fait déjà plus de 6 euros, je crois qu'il a 8 euros et quelques. Oui, parce qu'il y a une nouvelle extension qui vient de sortir là. Exact, mais bon, est-ce que c'est vraiment... Enfin bref. Après, les joueurs feront leur choix, ils verront hein, Exactement. s'ils ont envie d'essayer les deux, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas d'avis particulier dessus, c'est pas mon type de jeu, mais Ok. voilà, je respecte. Non, non, mais franchement, voilà, comme je te dis, c'est un petit jeu sympathique. Il faut le prendre vraiment comme ça, quand tu as 20 minutes à perdre, dans le métro ou quoi. Et puis en plus, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il fait partie de ce genre de jeu où tu n'as pas besoin de connexion internet. Donc t'arrives, tu joues, tu le quittes. Voilà, réglé. Donc ça, c'est, comme je te dis, je peux jouer vraiment dans le métro, dans un endroit où tu n'as pas accès à internet, et ça se fait tout seul, quoi. Donc voilà, quoi. Donc je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. Ouais. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur Outvert, donc avec Ricola et Nil Kerosh. Et bah écoute, on essaiera d'en faire une autre la prochaine fois. Et Ouais, puis on verra carrément. bien ce que ça donne. Ça Voilà. va. Sur ce, salut à tous, ciao ciao. Bonne journée. Au revoir.